Conçu à l'origine pour mesurer le pouls et optimiser son entraînement à partir de sa valeur, la montre cardio s'est largement démocratisée et surtout spécialisée. Presque chaque sport dispose aujourd'hui de sa montre avec cardio, voire GPS intégré. Quel modèle choisir pour le running? Quelles sont les meilleures montres running GPS actuelles? On commence notre top 5. Fitbit Ioniq. C'est une montre que je teste depuis un peu plus d'un an. En effet, suite au sondage sur mon compte Instagram, beaucoup semblaient intéressés par cette montre. Je vous livre enfin mon avis après l'avoir testée sur le long terme. Pour rappel, avant d'avoir cette montre, je possédais le modèle Charge 2, toujours chez Fitbit, que ma copine utilise à présent. L'accès aux informations santé est immédiat en swipant l'écran vers le haut. Nombre de pas dans l'heure écoulée, distance parcourue, étage gravi, fréquence cardiaque, calories brûlées, minutes actives. De son côté, le bouton en haut à droite permet de lancer une activité. Running, vélo, elliptique, natation, musculation, tapis de course, minuteur d'intervalle, vélo en fonction de l'ordre que vous avez choisi via votre tableau de bord Fitbit. J'ai intégré les activités que je pratique le plus régulièrement et retiré les autres. Concernant la marche, elle ne fait pas partie des activités à choisir. Elle se détecte automatiquement dès 10 minutes de marche. Vous pouvez choisir 15 minutes. Le bouton en bas à droite permet de régler vos alarmes quotidiennes. Réveil, traitements médicaux, dans la limite de 8 alarmes. Le bouton de gauche, quant à lui, sert à allumer et éteindre l'écran. Ce qu'on peut également faire en tapotant l'écran. Coros Apex Pro. La mise en route de l'Apex Pro se fait très rapidement. Il suffit de scanner un QR code présent à l'écran pour synchroniser la montre et l'application. Tout est toujours très intuitif chez Coros, même sans se poser sur le manuel d'utilisation. On arrive facilement à trouver par soi-même comment paramétrer la montre pour sa pratique. Ce qui est loin d'être le cas chez certaines marques concurrentes. La maniabilité de la montre est aussi très bonne. On retrouve trois boutons dont une molette sur le côté. La molette remplace finalement à elle seule trois boutons. Haut, bas, validé, alors que le bouton du haut active le rétroéclairage. Et le bouton du bas permet l'annulation, ou le retour, ou le marquage des tours manuels. Au début, il faut bien dire que la prise en main de cette molette n'est pas simple. D'autant plus qu'il n'y a pas véritablement de cran d'arrêt. Au bout de quelques temps, on s'y fait. Mais ce n'est pas forcément le plus pratique à nos yeux quand il fait froid, avec les doigts engourdis et les gants. Ce modèle est bien robuste avec sa lunette en titane et sa vitre en saphir inrayable. Pourtant, malgré la présence de matériaux de qualité, le poids de cette montre reste relativement léger, affichant 59 grammes sur la balance. Garmin Forerunner 245. La montre GPS Garmin la plus vendue au monde. Le placement de cette Forerunner 245 Music est intéressant, puisque ce n'est pas une déclinaison running de la Vivo Active Music, mais une nouvelle montre GPS qui vient se placer juste en dessous de la Forerunner 645 Music, et en dessus de la Forerunner 235. La Forerunner 245 Music est donc une grosse amélioration par rapport à la 235. Autonomie doublée, plus légère, Advanced Running Dynamics, 11 algorithmes First Beat, suivi d'itinéraire, oxygénation sanguine, etc. Si l'écran OLED tactile est devenu la norme sur les pures montres connectées, Garmin conserve les avantages de l'interface par bouton, plus pratique à utiliser lorsqu'on fait du sport, et de l'écran transréflectif, moins lumineux mais moins gourmand en énergie. Du coup, il faut savoir que le rétroéclairage sera indispensable dans la pénombre, pour arriver à voir quelque chose. Par contre, la visibilité est excellente en plein soleil. Polar Init. C'est une montre connectée pour les accros au fitness et au cross-training. Avec son GPS intégré, cette montre présente un bon rapport qualité-prix et suit avec précision vos progressions sportives. Dommage que son écran s'active laborieusement, ce qui complique un peu son utilisation. Disons-le d'emblée, nous avons été conquis par le design de la Polar Init qui se porte de façon très agréable au quotidien. Le cadran, tout rond, est peu encombrant, léger et élégant. C'est aussi le cas du bracelet en silicone qui se décline en 4 couleurs. Notre préférence va au blanc, et qui convient au petit poignet en s'ajustant parfaitement. Son revêtement résiste particulièrement bien à la transpiration et assure un confort optimal, même la nuit. Bref, pour nous, Polar réussit un sans faute, tant au niveau esthétique qu'ergonomique. L'utilisateur accède à certaines fonctionnalités communes à d'autres produits de la gamme. Les exercices de respiration sereine nous ont paru assez gadget. Nightly Recharge, qui analyse votre récupération la nuit, s'est révélé en revanche plutôt pertinent.
Cela nécessite de capter sa fréquence cardiaque durant au moins 3 nuits de suite. Et c'est un vrai plus pour savoir jusqu'où pousser son entraînement le lendemain. Même si Pollard analysait déjà la fréquence, la charge, l'intensité et le volume de l'activité physique. Apple Watch Série 6. Déjà réussi dans sa version précédente, l'Apple Watch Série 6 gagne quelques nouveautés et améliorations matérielles et logicielles, dont la mesure de l'oxygénation du sang qui se perfectionne encore un peu plus. Voici donc l'Apple Watch Série 6, la nouvelle déclinaison de la reine des montres connectées, toujours aussi complète et élégante. Elle ne se distingue que de la précédente itération que par quelques nouveautés, principalement dans la santé. Nous trouvons ainsi la mesure de l'oxygénation du sang, le suivi du sommeil ou encore des consignes pour se laver les mains correctement. S'ajoute à cela une nouvelle puce 20% plus rapide, l'altimètre en permanence et de nouveaux cadrans. Autant de nouveautés mineures pour une montre déjà majeure. La plus belle progression est signée par le cardio-fréquence-mètre. Grâce à la refonte des capteurs dorsaux, nécessitée par l'arrivée de la mesure de l'oxygénation du sang, la Watch Series 6 compte désormais 4 jeux de LED rouge et verte. Pour rappel, les watches précédentes n'en comptaient qu'un. Avec ce nouvel attirail, le suivi de la fréquence cardiaque se révèle bien plus précis, que ce soit lors d'une activité physique douce ou plus intense. Ainsi, la marge d'erreur par rapport à la ceinture pectorale Polar H10, qui nous considérons comme très fiable, est inférieure à 1% lors d'un jogging. De la même façon, elle n'est que de 2,6% lors d'un exercice de fractionné. Un résultat d'autant plus satisfaisant que la courbe de fréquence cardiaque obtenue enregistre correctement les différentes variations. Nous avons donc là une montre parfaitement pertinente pour un sportif régulier. Un véritable plus pour l'Apple Watch.